Hello, aujourd'hui je fais un tuto coiffure chignon. Si ça vous intéresse, restez scotché. Alors je vais tracer une petite portion au milieu de ma tête, il n'y a vraiment pas besoin de précision. Et sur cette portion, je vais installer des mèches que je vais piquer. Si vous voulez voir comment je pique mes mèches, je vais vous mettre le lien de la vidéo en haut sur l'information. Et puis vous verrez comment je procède. Par contre, pour les lignes de tresse, il va falloir qu'elles soient présentables pour que le tracé soit joli. Je vais ensuite appliquer mon Edge Control de ORS pour que mes tresses soient bien plaquées. L'avant est un peu plus simple à tresser, donc je vais vous laisser regarder quelques secondes. Je vais tisser un peu plus les bouts pour pouvoir installer ma mèche. Alors la première tresse est faite, on va donc continuer et puis le plus dur reste à venir, c'est comment fixer la tresse à l'arrière de la tête. Alors ce chignon, c'est une coiffure que j'ai souvent eu à faire à mes sœurs, sauf que cette fois-ci, je me suis lancé le défi de me la réaliser moi-même et j'en suis plutôt satisfaite, le résultat arrive. Alors un peu de fun pour me détendre un peu, la musique dans les oreilles, ça fait du bien quand on fait une coiffure comme celle-ci qui me prend, je sais pas, 1h30 à 2h et m'a pris. Alors je vais vous inviter à bien regarder la suite, on passe au moment le plus délicat, c'est tresser l'arrière de la tête. Qui m'avait dit que je pourrais me le faire moi-même, franchement, c'est que réussi. Pour faire cette technique à l'arrière, ce n'est pas aussi simple. J'ai dû m'entraîner une fois
Et puis ça m'a suffi. Bon, donc déjà, il faut déjà avoir cette base-là de savoir faire les tresses. Mais sinon, observez bien ce que je suis en train de faire. En fait, il faut travailler ici avec les pouces. C'est le pouce qui fait tout le travail. Donc, je vais vous laisser regarder attentivement pour que vous puissiez vous-même le reproduire. C'est donc ça la technique pour se tresser à l'arrière. Essayez de la reproduire et voyez si vous vous en sortez. Sinon, refaites-le encore et encore jusqu'à ce que vous réussissiez à le faire. Mais franchement, c'est facile. Travailler uniquement avec le pouce, les deux pouces, ça rend encore le coiffage facile. Comme je vous le disais au début de la vidéo, au milieu de ma tête, je vais donc tout simplement fixer ma mèche et je vous mettrai bien évidemment le lien de la technique que j'utilise. Alors, pour que le résultat soit optimal, je vais refaire une touche du Edge Control sur tout le contour de ma tête. Et voilà! Voici donc la coiffure que je tenais à partager avec vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et des pouces vers le haut. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci pour vos abonnements. Et pour tous ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge en bas. Et sur ces belles paroles, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Bisous!